Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi, toujours maître de midi. J'ai raté la première question au coup d'envoi. Alors il y avait ce monsieur, j'ai pas encore son prénom, on verra plus tard, qui s'y interdit sur les autoroutes allemandes sous peine d'amende, c'était de tomber en panne d'essence. Après vous aviez Christophe qui me faisait penser un peu à Steven Seagal qui a chanté, il était alors qu'il y avait ça. Sa tati qui était en visio. Quel est le critère principal à prendre en compte pour choisir la couleur de ses vêtements? C'était la couleur des yeux. Donc il a chanté Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Donc bon, sauf qu'il a chanté plusieurs couplets et Jean-Luc Reichmann, il en avait un peu marre. Ensuite, vous aviez Mylène. Comment peut-on gagner un peu d'argent grâce à l'application gratuite pour Proper Chips by Lad? Donc c'était du grâce aux bouches à oreilles. Pour le maître de midi, dans quel pays se trouve la région de la Bohème? C'était l'autre. De quel groupe fait partie la chanteuse qui cartonne avec Popcorn Salé? C'était FNFN. Ensuite, lors de l'essayage d'un soutien-gorge, ça je connaissais. Quelle astuce permet de savoir quelle est la bonne taille? C'était les deux doigts dans le dos. Ensuite, que fait l'artisan d'horreur juste... oui, d'horreur, c'est ça? Oui. Juste avant d'appliquer au pinceau la feuille d'or sur le support, il se la passe sur la joue pour l'électrostatisme. En psychologie, comment appelle le test consistant à interpréter des taches d'encre symétriques, etc. C'était le test de Rothschild, donc nous raconter le truc et tout, toujours aussi sympa. Qu'a découvert le journal britannique The Independent concernant les suggestions des applications de streaming musical? Eh bien, elle était sexiste. Ensuite, quel chef étoilé français a fait la une du prestigieux Time Magazine en septembre 2023? C'était Maurice Sacco, gagnant de l'émission de M6. Grâce à quoi Émile Ferry s'est-elle devenue illustratrice de BD? C'était à cause d'une piqûre de moustique. La pauvre, elle avait perdu une jambe et puis sa main, je crois, à cause d'un moustique. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Christophe en duel. Sa mère était en PLS. Alors, quelle question va-t-il avoir? Avant l'érection de la tour Eiffel, quelle était la plus haute construction humaine du monde? Il est parti sur une cathédrale et pas du tout, c'était l'obélisque. Donc c'était une question... qui voulait que, je sais pas, il voulait le faire sortir, hein, bon, je sais pas pourquoi. Donc ensuite, Mylène, Emilien et Anthony sont se retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle ville se trouve dans un pays qui commence par la lettre S? La mauvaise réponse était Sibiu. Ensuite, quel groupe ou artiste est devenu et d'origine écossaise? La mauvaise réponse, c'est Emilien qui l'a donné. Donc, Fanion Cannibal. Oh, putain, j'adorais ce groupe. Donc, il est passé à l'orange. Ensuite, pour quelqu'un qui nous réprimande, on peut dire qu'on se fait. La mauvaise réponse était Pandillé. Et ensuite, que peut-on dire à propos d'Antoine de Saint-Exupéry? Donc là, il y avait quand même une évidence. Donc, il était l'auteur de Vol de nuit. Donc, mais lui, il a reçu le concours. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge? Oh, dit duel. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Allez, retour de pub, et retour de pub, eh bien, Anthony a eu les coronesses, entre guillemets, et la bêtise, hein, parce que je dis toujours qu'il faut jamais prendre le maître de midi en duel, donc il a pris Emilien en duel. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir qu'on rigole? Bon, quelle question? Alors, comme vous savez, donc il est étudiant en histoire géo, ils lui ont posé une question de géographie, sachant que j'ai d'histoire, des questions sur l'histoire. Dans quel océan se trouve la Martinique et la Guadeloupe? Donc, bien sûr, c'était l'Atlantique, voilà. Donc, question de bébé, comme d'habitude. Donc, ensuite, eh bien, Emilien et Mylène se sont retrouvés en coup fatal, et on s'est aperçu que ce que m'a dit la personne qui m'a envoyé le message, qui, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce matin, le mec qui pense qu'il a une très grande culture et qu'il a pas été sélectionné, on a pu voir qu'avec... Elle était sympathique, mignonne, rigolote et tout, mais bon... Alors, quel groupe était formé de Guine? Bon, ça, c'était les Daft Punk pour elle. Quelle eau de vie de cidre est fabriquée en Normandie? Elle savait pas. Vous savez quoi, les Normandes? C'était le calva. Ça commençait ensuite. Quand on équeute un fruit, quelle partie enlève-t-on? On avait dit le trognon. Alors, on répète. Équeuter...
Qu'est-ce qu'il y a comme mot dans le mot équeuté? Donc le mot queue, donc ça retire la queue-queue. Ensuite, quel homme de théâtre a écrit la comédie intitulée La jalousie du barbu? Alors ça m'a beaucoup fait rire parce qu'elle a trouvé la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'elle a dit Molière, mais je me suis dit, elle doit en connaître un, donc elle a dit Molière. Voilà, bravo. Ensuite, quel vainqueur roumain, Roland Garros, a donné une paire de tennis, donc c'était Nastase. Que peut-on éliminer? Ah non, que veut-on éliminer des concombres quand on les fait dégorger? Elle a dit les pépins, un truc comme ça, ou la peau, je sais plus. Donc c'était bien sûr, c'est fait l'eau. Donc voilà. Donc bon, le message que j'ai reçu hier confirme un petit peu la chose. Hein, je suis désolé, hein, parce qu'il paraît qu'il leur pose à peu près une cinquantaine de questions sur une minute. Si j'ai l'impression que si tu réponds trop trop bien, j'ai l'impression que t'es pas sélectionné. Hein. Donc bon, bah voilà, ça continue pour elle. Quel insecte a la réputation de ne pas être folle, selon une expression? Elle n'a pas trouvé, c'était pas folle la guêpe, bien sûr, sur la plage. Quel élément de signalisation indique par sa couleur la possibilité de se baigner? Donc bien sûr, c'était le drapeau. Qui est l'acteur principal du film d'Albert Hitchcock, Sueur froide? Il a dit Stewart, un peu au pif, parce que bon, il n'était pas sûr, donc c'était ça. Quelle série raconte les passions des familles Newman et Abbott à Genoa City? C'est le truc qui passe le matin, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les feux de l'amour, je crois. Quel est le métier d'un chauffeur de poids lourd qui effectue de longs trajets? Je ne sais pas si elle a trouvé, c'était routier, tout simplement. Quelle couleur qualifie une munition fictive? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit jaune. Oui, bah oui, on tire avec des balles à jaune. Donc bien sûr, c'est des balles à blanc. Et pour finir, quel groupe pop britannique a pour sigle FGTH? Donc c'était bien sûr Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it. Donc voilà, elle a été éliminée. Le mec du midi, tu m'étonnes. Il est content. Hein, bon, il avait... Bon. Ils lui ont donné des places de théâtre, donc c'est pas son jour, elle, parce que franchement, je pense qu'elle aurait préféré un chèque cadeau. Allez, sinon, coup de maître, selon l'expression, que vit-on quand on a tout sur le cœur, on vide son sac. Dans quel film y a-t-il des petites créatures? Donc ça, c'était facile, c'était les Gremlins. En 1916, un publicitaire a choisi un lion comme emblème de la MGM. Parce que c'était, donc il a dit le prénom de son fils Léo, et pas du tout, c'était la mascotte de sa fac. On a appris un truc par rapport au fameux lion de la MGM, donc voilà, donc il a eu dans l'œil à cause du cinéma, si vous avez vu ma vidéo d'hier, hein, donc le cinéma c'est pas trop son fort. Ensuite, quelle nationalité qualifie les pommes de terre coupées en tranches, mais sans que les tranches soient détachées les unes des autres? Moi, je connaissais les croustilles, là, les grémus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, il a du suédois au pif, et c'était ça. Quand tu me diras, il a une chance sur trois. Hein, donc, voilà. Ensuite, que permet de faire la nouvelle appli Signal Conso? Il a dit au pif, signaler une fraude. Donc, c'était ça. Donc, il a quand même gagné 2000 balles. Ça lui fait 1000 balles dans la poche. Étoile mystérieuse. Bon, comme il s'est planté, il n'a pas pu dire qu'il était dans l'étoile mystérieuse. Bon, de toute façon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? La mer qu'on voit danser. Voilà. Bon, sinon, moi, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.